Bonjour et bienvenue sur Asop Tribune, on se retrouve aujourd'hui pour le montage du V2 Perun Optique. Donc on part sur une gearbox de type V2 qui était montée dans une réplique Evolution Airsoft. Elle est full upgrade, donc ça va être une bonne base pour monter ce MOSFET. Alors pour commencer ce montage de MOSFET, ça va être très simple. Il va falloir vous équiper déjà de petits outils, hein, tournevis plat, tournevis cruciforme, dégraissant aussi, hein, pour pouvoir coller les autocollants à l'intérieur de la gearbox, du sopalin, des trucs basiques pour pouvoir monter ce MOSFET. On va passer tout de suite au démontage de la gearbox et retirer les éléments qui n'ont rien à faire à l'intérieur. Donc une petite précision sur le MOSFET qu'on va monter, ce sera la version arrière. Donc back wired. Donc c'est une version pour les M4 avec câblage qui va dans le tube de crosse. Vous avez aussi également donc le modèle en version avec câblage avant. Donc il ira soit dans RISE soit dans NPEC. Donc à vous de choisir sur le modèle de MOSFET que vous voulez monter sur votre réplique. Donc l'étape suivante, ça va être de placer le petit sticker noir fourni dans la boîte. Donc c'est le rectangle noir qui se trouve ici. Vous allez pouvoir le prendre. Mais pour le coller, il va falloir dégraisser cette zone-là, interne de la gearbox. Donc là, vous avez du dégraissant, un petit morceau de chiffon, vous dégraissez cette partie-là et vous placez le sticker ici. Alors je vais vous donner un petit conseil, c'est retirer la partie mécanique de la gearbox pour pouvoir placer le sticker correctement. Donc là j'ai démonté la pièce pour pouvoir dégraisser correctement, donc je prends du dégraissant aléatoire, hein, ce que vous avez en stock, un morceau de chiffon ou de sopalin, un petit coup sur le sopalin et vous venez dégraisser les deux plats à l'intérieur de la gearbox pour permettre au petit sticker de se coller. Donc là une fois que vous avez fait ça, vous prenez le sticker, donc je répète, hein, le grand rectangle noir. Vous le prenez et vous venez le coller. On va essayer de le coller correctement. C'est dommage d'être embêté après pendant la programmation et pendant l'utilisation du MOSFET. Donc là, je l'ai plaqué. J'essaie de plaquer correctement avec ce tournevis plat. Donc là, j'ai placé l'autocollant sur cette zone-là. Donc ça permet de boucher cette entrée au niveau de la gearbox, de la coque, de la gearbox. Donc là il est bien collé. On verra dans le temps si ça a tendance à se décoller ou pas. Donc là après vous pouvez remonter la pièce, hein, que vous avez démontée. Donc là la nouvelle étape, ça va être de prendre le MOSFET. Voilà, qui est emballé donc dans le sac antistatique. Donc je vous conseille de toucher une partie métallique pour éviter d'avoir de l'électricité statique sur vos mains et d'endommager le MOSFET. Ce serait un peu dommage avant d'avoir monté de l'abîmer ou de le griller. Donc là, vous déroulez correctement tout le câblage. Il va falloir également que vous preniez dans le package, vous avez avec le fusible un tout petit joint en nylon. Alors, il est vraiment tout petit, alors faites attention de ne pas le perdre. Donc là, je vais essayer de pas faire la bêtise et de le perdre. Donc il est juste là. Donc, je ne sais pas si là, sur la caméra on va le voir. Il est si on le voit. Donc il est vraiment tout petit. Donc c'est ce qui va permettre de fixer la première partie du MOSFET avec la
la vis qu'il y avait à l'origine sur le switch mécanique de la Gearbox. Donc il va falloir déjà désolidariser le MOSFET, donc la partie supérieure de la partie inférieure. Donc vous y allez précautionneusement. Vous placez la partie, la deuxième partie dans une partie, dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de risque de l'abîmer. Donc là je le remets un peu dans le sac. Je prends le MOSFET et je viens le positionner dans la Gearbox. Alors là, il n'y a pas de surprise, il rentre parfaitement dans la Gearbox de la réplique de chez Evolution Airsoft. Donc vous avez la chance, de, si vous avez une réplique de cette marque-là, de pouvoir monter le MOSFET à l'intérieur, puisqu'il rentre sans faire de modification, que ce soit à la Dremel ou autre, à l'intérieur de la Gearbox. Donc c'est déjà pas mal. On va mettre le petit joint. Oh, le petit joint, est-ce qu'il va être compliqué à poser? Je vais prendre un petit tournevis gentiment. Ouais, même avec le tournevis c'est un peu galère. Je vais poser le joint donc là sur la partie où se trouvait la vis du switch d'origine. Je reprends la vis d'origine ce coup-ci et je viens la placer et je serre. Alors vous n'avez pas besoin de serrer comme un bourrin, vous serrez légèrement, une fois que vous voyez que c'est bloqué, vous arrêtez. Et là, ça tient parfaitement à l'intérieur de la Gearbox. Donc on passe à l'étape suivante, ça va être de passer tous les petits câbles, du moins les câblages de la Gearbox, du moins du MOSFET, dans les passages de câbles d'origine. On commence par le petit rouge. Voilà. Vous l'emmenez jusque sur l'autre partie de la Gearbox. Alors vous y allez mollo avec le tournevis. Hein. Alors c'est toujours la partie la plus galère sur un MOSFET et sur un montage électrique dans une Gearbox, c'est le passage des câbles. Passer les câbles correctement à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai fait pour passer les câbles sur la partie basse. Donc j'ai reculé un petit peu le fil rouge pour laisser la place au fil noir de venir se plaquer à l'intérieur de la coque de la Gearbox pour éviter de venir en contact avec le moteur. Donc là, tout le câblage est passé. Il faut vraiment faire attention. C'est de voir aussi si avec les petits picots qui se trouvent sur la Gearbox, à ce niveau-là et à ce niveau-là, celui-ci, normalement, ne devrait pas poser de problème s'il est près de la détente. Mais les deux qui sont ici vont peut-être avoir un petit coup de lime ou de Dremel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plaquer la Gearbox dessus et voir si ça pose problème ou pas. Donc là je force pas du tout à l'intérieur. Donc là on voit que les câbles sont propres et ne poseront pas de problème. Ça c'est très bien. Donc là, l'étape suivante, ça va être de remonter les engrenages avec les chimes, hein, des chimes d'origine. Donc, je viens placer chaque engrenage. En même temps, je vérifie que ça touche pas sur une partie du MOSFET, surtout sous la partie inférieure qui se trouve juste en dessous, là. Vous mettez l'entier tour, le dernier engrenage. Voilà. Donc là, je positionne de façon à ce que les engrenages soient dans cette position. Donc là, j'ai ensuite remonté la détente. Alors vous pouvez monter une détente speed réglable, ce qui vous permettra de faire des réglages parfaits pour le
l'optique et d'avoir une détente beaucoup plus réactive. Donc on va passer à la suite de ce montage. Donc une petite information, c'est que je vais pouvoir retirer le délayeur de l'embrunage, parce que évidemment il n'en a plus l'utilité. Tac, voilà. Et on va passer à la pose de la deuxième partie du MOSFET, la partie supérieure. Donc toujours précautionneusement, vous prenez la partie supérieure et vous venez le connecter, tac, par dessus. Là pareil, vous pouvez faire un petit contrôle, voir si au niveau du MOSFET et les engrenages, ça ne touche pas. Là j'ai le câble qui s'est fait la malle de la coque. Voilà. Donc là tant que la deuxième partie de la coque sera pas montée, ils vont avoir tendance à bouger un peu. C'est pas bien grave. Donc là on voit aussi également la présence de deux petits blocs en mousse collés pour éviter de justement que les deux parties se séparent dans la gearbox, que ça soit vraiment compact et que ça ne fasse qu'un une fois que la coque est fermée. Donc on continue le remontage. Vous allez pouvoir prendre cylindre, piston, tape de plate. Voilà. Le ressort. Donc là moi j'ai l'avantage, c'est que c'est une gearbox avec un changement rapide de ressort, donc j'ai pas à remettre le ressort et le guide ressort, ce qui est un gros avantage sur les gearbox. Donc la quasi totalité des gearbox maintenant sont équipés de ce système de changement rapide de ressort, ce qui est un gros avantage, un gros avantage. Ou alors vous avez les gearbox ICS splittables qui séparent en deux parties, vous avez cylindre, piston d'un côté et tout ce qui est engrenage d'une autre partie. Donc ça aussi ça sera assez agréable à monter et assez facile pour les non initiés au démontage des gearbox. Donc là vous avez plus qu'une fois la coque placée, remettre les vis de la gearbox pour la refermer. Et on va passer après aux modifications externes. Donc là on passe à la modification du selector plate. Donc le selector plate, vous retirez le petit ressort. Il va falloir dégraisser la partie ici. Vous avez vraiment sur le selector plate la partie carrée, donc elle est en relief, donc ça c'est un gros avantage, vous allez pouvoir poser le sticker correctement. Donc là toujours pareil, dégraissage. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez dégraisser la totalité en même temps, ça fait pas de mal. Vous prenez toujours dans le petit sachet fourni avec. Vous avez trois types de stickers. Là sur le montage, on va placer le sticker blanc, donc le tout premier. Ils sont très découpés. Vous prenez le sticker, donc il y en a deux à chaque fois. Si jamais il y en a un qui est mal collé, ou vous en avez un deuxième au cas où. C'est ce qui va permettre au petit capteur qui se trouve juste ici de voir la position du selector plate et donc la fonction de tir choisie par l'utilisateur. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à replacer le selector plate dans la gearbox. Tac. Donc surtout le ressort du selector plate n'est pas remonté puisque vous n'avez plus la partie le cutoff lover à l'intérieur, donc il n'y a plus d'utilité à le mettre dans la gearbox. Donc c'est une pièce à mettre de côté si jamais vous voulez remettre la gearbox d'origine, toujours bon à garder. Donc là on va dégraisser la zone ici pour pouvoir mettre le sticker, du moins les deux stickers comme ceci, donc dans cette position là, pour permettre d'avoir le minimum, et vraiment le minimum, de luminosité qui pourrait altérer le fonctionnement du MOSFET à l'intérieur. Donc là on va passer au dégraissage. Donc je prends le premier sticker. Ça gêne pas, là ça permet en même temps de couvrir les zones potentiellement un petit peu écartées de la gearbox si c'est mal usiné. Donc là on voit que ça couvre bien.
Et ensuite, je prends le deuxième que je viens placer sur cette zone de la gearbox. Ça englobe vraiment le tour de la détente pour laisser vraiment passer le minimum de luminosité. Voilà. Donc là, le MOSFET a été monté dans la gearbox remontée dans le corps, la réplique est entièrement remontée. Donc là, quand vous allez mettre en route la première fois votre MOSFET, vous allez devoir faire la calibration. Donc c'est la première étape à réaliser sur ce MOSFET. Donc vous positionnez le sélecteur en mode auto, vous branchez votre batterie sur la réplique. Vous allez faire la première étape qui est donc de calibrer la trigger. Vous allez faire un appui très léger, vous allez entendre un léger crépitement. Une fois que ça va se stabiliser au niveau de la course, vous allez avoir une confirmation par deux bips. Vous relâchez à ce moment-là la détente. Vous passez ensuite sur le mode semi. Vous réitérez l'opération. Vous rappuyez légèrement. Vous allez entendre un crépitement suivi de deux confirmations par bip. Et vous relâchez. Et là, votre calibration est terminée. J'appuie légèrement sur la détente. Je relâche. Je passe en mode semi. Je relâche, la calibration est terminée. Si je décide d'appuyer sur la détente, j'ai le semi. Si je pars en mode full auto, je suis bien en mode full auto. Donc là, la calibration est réussie. Donc on continue sur les programmations. Donc sur la petite carte fournie à l'intérieur du package, vous aurez la possibilité de faire des réglages sur la position semi, mais comme sur la position auto. Donc ce sera à vous de décider si vous voulez positionner, par exemple un burst, une bille, du moins un semi, une bille sur la position semi et un burst sur la position auto, par exemple un burst de 3, 4, 5 billes. Ensuite, vous pourrez avoir donc les différentes solutions qui sont offertes par ce MOSFET, qui est de, par exemple, mettre une position sécurité sur le semi. Donc tout ça en faisant zéro impulsion après avoir fait la demande de programmation. Ensuite, vous allez avoir une impulsion sur la détente pour avoir du semi sur la position de votre choix. De 2 à 5 pressions pour un mode burst, donc de 2 à 5 billes. Ensuite, vous allez avoir 6 fois pour avoir le mode full auto. 7 pour activer l'active brake, donc le frein moteur que nous verrons dans la suite des programmations. 8 pour le pré-cocking, donc ça sera une option supplémentaire. 9 pour les seuils de pré-cocking selon le ressort et les RPS de votre réplique. 10 fois pour la batterie au niveau de la protection, donc vous aurez des bips toutes les 30 secondes prévenant que votre batterie est arrivée à son terme. 11 pour le double shot, donc le double shot c'est vous appuyez sur la détente, vous avez un tir, vous relâchez et retirez une deuxième fois. Le 12, le new threshold, le 12 alors c'est pour pouvoir repartir sur un mode calibration au prochain redémarrage de la réplique, donc ça veut dire que vous allez débrancher la batterie après avoir fait l'opération des 12 fois. Vous débranchez la batterie, vous la rebranchez, automatiquement quand vous allez remettre la position auto, vous pourrez refaire la première étape que nous avons réalisée juste avant, donc qui est la calibration de la détente. Donc là sur la carte plastifiée, vous allez avoir donc des positions de 0 à 12 avec les différents programmes, et vous avez aussi le 13. Donc au-delà de 12, cela permettra en cours de programmation, si vous avez changé d'avis, de continuer de dépasser le nombre de 12 pour éviter de changer les paramètres que vous aurez réalisés auparavant. Donc là, on va passer à une première programmation. Alors, je vais passer de semi à auto deux fois et revenir sur semi. On va entendre le déclenchement de la demande de programmation qui va être faite. Et je vais programmer, par exemple, un burst de billes sur cette position semi, donc en appuyant deux fois sur la détente, en relâchant, et en appuyant pendant 2 secondes en fixe pour confirmer. Nous allons entendre un bip sonore qui va confirmer la demande de programmation et de finalisation de cette opération. Donc on y va tout de suite. Donc on a le bip, je fais 1, 2, je reste appuyé fixe, bip de confirmation, et là sur le mode semi, j'ai un burst de billes. Si par exemple le mode 2 billes me convient pas, je peux avoir un mode 3 billes jusqu'à 5 billes. Donc selon le nombre de billes que vous allez avoir, vous allez faire le nombre de pressions sur la détente et une confirmation de 2 secondes.
Bah, par exemple, je dis je veux un burst 4 billes sur le semi, donc je refais la même opération avec le sélecteur de tir, je reviens deux fois et je reviens sur le semi. Demande de programmation, 1, 2, 3, 4. Je reste appuyé pendant 2 secondes, confirmation, le bip a retenti, je lâche, et là j'ai mon burst 4 billes sur la position semi. On va passer sur la programmation d'un burst aussi sur le full auto. Donc c'est une option que vous pourrez avoir qui permettra de, si vous vous trompez de position de sélecteur, d'avoir par exemple le même nombre de billes, que ce soit en semi comme en full auto. Donc là je vais faire exactement la même chose pour le full auto et lui dire qu'il lui faut 4 billes. Donc je me mets en full auto et je vais revenir deux fois rapidement pour revenir en full auto. Demande de programmation, je fais 1, 2, 3, 4. Je confirme en appuyant 2 secondes. Confirmation, je relâche. Et sur le full auto, j'ai également un burst 4 billes. Là, on va passer sur la programmation pour remettre la réplique d'origine. Donc, je veux un semi normal, un full auto normal. Donc, je vais faire deux allers-retours et revenir sur semi. Appuyer une fois, ce qui va me déclencher automatiquement la programmation du semi. J'appuie une fois, j'appuie une deuxième fois pendant 2 secondes, confirmation, j'ai récupéré le semi d'origine de la réplique. Je vais demander la programmation du full auto comme à l'origine, donc qui est 6 impulsions. Donc je refais la demande de programmation, 2 allers-retours et je reviens en mode auto. Et je fais 6 impulsions. Et je confirme en 2 secondes. Confirmation. Et là, j'ai récupéré le mode full auto. Donc vous avez la possibilité aussi d'avoir l'active brake, donc c'est le frein actif. Alors cette option, c'est avec 7 impulsions sur la détente, avec une confirmation de 2 secondes. Ça va surtout être utilisé par des personnes qui utilisent des montages DSG. Il faut noter que l'activation de l'active brake va faire chauffer très rapidement celui-ci et va user peut-être prématurément le pignon du moteur. Alors cette option peut être utilisée quand vous allez faire un montage DSG en désactivant aussi le pré-cocking. Ça peut être utilisé quand vous allez vouloir stocker votre réplique assez longtemps. Ça va permettre au rosseur de décomprimer entièrement et de ne pas rester comprimé tout au long de son stockage. On peut constater que le rosseur n'est pas entièrement décomprimé puisque le piston est un peu reculé. Donc là c'est dans une utilisation on va dire basique. Donc c'est là que l'active brake va être utilisable. Je vais faire deux allers-retours et revenir en semi. Appuyer 7 fois puis 2 secondes pour confirmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je confirme 2 secondes. Donc là ça m'a confirmé la demande de l'option et là on voit que le rosseur décomprime entièrement. Si vous souhaitez désactiver cette option quand vous êtes en partie, vous refaites la même chose, vous appuyez cette fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je valide pendant 2 secondes, je relâche. Là on va voir que le rosseur va être comprimé aléatoirement dans la gearbox. On voit bien la présence du piston. Je recommence pour l'activer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je valide. Alors on va passer à l'activation du pré-cocking, puis ensuite faire les réglages du pré-cocking, puisqu'il faut savoir que vous allez avoir une possibilité de régler le pré-cocking sur un seuil de 1 à 5. Alors 1 pour des répliques qui vont avoir un ratio de cadence assez élevé, et plus vous allez monter dans le chiffre de 1 à 5, ça sera pour des répliques qui ont des cadences beaucoup moins élevées. Donc là je vais activer le pré-cocking, donc il va falloir faire deux allers-retours et revenir sur semi et faire 8 impulsions sur détente et confirmer pendant 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je valide. Là, on voit que le cycle est bien réalisé. Donc, on a bien le pré-cocking qui est actif. Alors, peut-être que le moteur n'est pas du tout adapté. Donc là, je vais sélectionner le mode alimentation pré-cocking. Donc, pour choisir d'un seuil de 1 à 5. Donc, ça va être 9
impulsion après avoir fait la manipulation avec le sélecteur. Vous faites donc les 9 appuis sur la détente, mais vous ne réappuyez pas pendant 2 secondes et vous allez avoir des bips donc qui vont annoncer le nombre de seuils, donc de premier bip jusqu'à 5. Donc vous validez sur la détente quand vous avez choisi votre seuil. Par exemple, je choisis un seuil de 2, j'attends 2 fois le bip et je reste appuyé sur la détente pendant 2 secondes pour valider mon réglage de seuil. Donc on va le faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un bip, deux bips, je valide. Validation. Et là, j'ai un pré-cooking au niveau 2 sur le, au niveau du seuil. Donc, si vous voulez désactiver le pré-cooking, ça va être simple. Vous faites 2 allers-retours au niveau du semi et vous faites 8 impulsions sur la détente, une conformation de 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je valide. Et là, j'ai récupéré le fonctionnement d'origine. On passe maintenant à l'option de détection de la puissance de votre batterie. Donc ça va être 10 impulsions. Cette option sera activable ou désactivable selon votre choix. Moi, je vous conseille, hein, ça ne coûte pas grand chose de l'activer. Ça vous permettra de ne pas faire descendre vos batteries lipo en dessous du seuil minimum avant de la cramer définitivement. Donc ça sera 10 impulsions sur la détente. Donc ça va être simple, vous faites toujours la même opération, que ça soit sur semi ou sur full, hein. Il n'y a pas d'importance. Vous faites 2 allers-retours et 10 impulsions sur la détente et une confirmation de 2 secondes. Et vous aurez l'option d'activer ou désactiver selon votre choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je valide. Donc là, je vais volontairement changer de batterie. Me mettre sur une batterie qui est faiblarde. Donc là, nous avons branché une batterie légèrement déchargée pour voir si on entend le bip, même sélecteur éteint. Donc il est prévu toutes les 30 secondes. Titit, on vient de l'entendre. Donc c'est peut-être un peu plus espacé que 30 secondes, mais on entend bien les deux bips prévenant que la batterie est arrivée à un taux de charge assez faible. On va passer au réglage du double shot, donc c'est le tir qui permet d'avoir une bille qui part quand vous allez appuyer sur la détente. Et quand vous allez relâcher, vous allez avoir un deuxième tir qui va se réaliser. Donc c'est très simple, vous faites la même chose, donc je vais le faire sur la position semi. Donc vous allez faire 11 appuis sur la détente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et je reste appuyé. Et là, j'ai le double shot qui est actif. Donc j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Donc là, c'est une option qui est, on va dire, qui peut remplacer le burst de bille. Hein. Alors si j'appuie une fois, légèrement, je ne vais pas au bout de la détente. J'ai une bille. Et si je vais trop loin, j'ai bien l'effet double shot. Donc là, je vais retirer le mode double shot. Donc je fais la même opération. Je me mets en semi. Je fais 2 allers-retours et je fais 11 appuis sur la détente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je rappuie. Et là, je suis revenu en mode d'origine. Donc on va regarder un petit peu ce que donnent les capteurs optiques. Donc je vais appuyer légèrement sur la détente et voir si celle-ci se déclenche. Vous pouvez modifier hein, cette course en refaisant la programmation et en essayant d'améliorer la détection
lors de la programmation, ou alors en rajoutant une petite pièce à l'intérieur de la gearbox. Alors il faut pas que ça dépasse 1,5 mm d'épaisseur, sous peine de voir des tirs intempestifs se réaliser et de ne pas pouvoir réaliser le calibrage correctement. Mais vous pouvez également monter une speed trigger qui elle sera réglable avec une petite vis BTR et vous pourrez peaufiner la distance de course très facilement. Voici la review du Perron V2 Optical terminée. Vous pourrez retrouver tous les liens de nos partenaires et de Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.